Bonjour et aujourd'hui, je vais vous faire une courte présentation sur l'alternance des jours et des nuits. Alors, je vais vous faire une explication de l'alternance et la description de la rotation, le mouvement de la Terre. Donc, premièrement, je vais vous faire une petite description de l'alternance des jours et des nuits. En fait, c'est, comme vous le savez peut-être, la Terre tourne autour d'elle-même, ce qu'on appelle la rotation. Ce que vous ne savez peut-être un petit peu moins, c'est que la Terre est inclinée d'un axe de 23,4 degrés. Mais, malheureusement, la lumière, elle s'en va toujours en ligne droite. Alors, le Soleil, il s'en fiche un petit peu si la Terre est inclinée, parce qu'il ne va pas venir seulement éclairer cette partie-ci. En fait, il va éclairer cette partie-là. Finalement, à chaque rotation, la Terre, elle tourne comme ceci. Alors, ça va être cette partie-là, après 12 heures, qui va être éclairée. Maintenant, pour une petite description de la rotation. En fait, le nom du mouvement de la Terre, comme je l'ai dit, c'est la rotation. Une petite description du mouvement, en fait, c'est le fait de tourner sur lui-même. Ça dure 24 heures. Ça va de l'ouest vers l'est. Et comme je l'ai dit auparavant, l'angle d'inclinaison est de 23,4 degrés. Merci d'avoir écouté ma présentation. J'espère que vous avez beaucoup aimé.